séance. Je suis sûr que vous êtes très en forme. Aujourd'hui, nous allons travailler la sangle abdominale, les lombaires et de façon plus générale le dos. Alors c'est parti, en avant, échauffement. Allez, travaillez l'assouplissement des articulations, les poignets, les coudes, les épaules. Je vous rappelle que nous allons travailler avec une respiration thoracique, c'est-à-dire que nous allons ouvrir la poitrine en inspirant par le nez et expirer par le nez en refermant la cage thoracique. Et nous allons respirer par le haut, sans aucun blocage respiratoire. Allez, emmenez votre nuque dans un sens et dans l'autre. Très bien, les hanches. Emmenez un genou vers la main opposée. Prenez votre temps. Et commencez à inspirer, expirer de façon ample et profonde. Très bien, rotation externe de hanche, vous ramenez le genou vers vous, vous emmenez sur le côté et vous reposez. Et inversement, une hanche puis l'autre. Bonne ouverture, en équilibre sur un pied. Très bien, vous libérez les genoux, les chevilles, petite rotation avec les mains. Allez, vous devez entendre craquer vos articulations. Très bien, vous soulevez une hanche en gardant le pied au sol, donc vous allez décoller sur les orteils. D'un côté, puis de l'autre. Écartez un peu les pieds, rotation du tronc, vous levez les mains en fléchissant légèrement les coudes et en avant, d'un côté de l'autre, on échauffe la sangle abdominale. Restez bien droit. Emmenez sur le côté une main le long de la cuisse et l'autre main par-dessus la tête pour ouvrir le flanc et inverser. Pensez à bien emmener votre bras vers le haut et le côté. Allez, d'un flanc sur l'autre, arrondissez. Ensuite, vous descendez tout doucement avec les deux mains, vous emmenez vers le sol, puis vous remontez, vous écartez les bras. Allez, encore. Vous descendez, vous remontez, vous écartez les bras, tranquille, vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'en bas, c'est juste un échauffement. On met le corps en mouvement avant de travailler. Et vous ouvrez bien la poitrine, vous emmenez bien vos bras vers l'arrière. Encore. Très bien. Maintenant, fente avant.
Vous emmenez bien le genou en avant, fléchissez votre genou avant, emmenez vos mains vers moi, main sur la cuisse, bras par-dessus la tête. Ensuite, vous revenez main en avant, coude sur le genou avant et bras par-dessus la tête. Vous revenez face à moi, vous avez les pieds bien écartés, vous descendez genoux fléchis, main en arrière. Et ensuite, on repart fente avant dans l'autre sens, ouverture, main sur la cuisse, bras par-dessus la tête. Bras en avant, coude sur le genou avant et main par-dessus la tête. Allez, je vous laisse à votre rythme. Donc à chaque passage, on ouvre genou fléchi, main en arrière, épaule en arrière. Et ensuite, fente avant, ouverture, main sur la cuisse, main sur la tête. De nouveau, fente avant. Coude sur le genou et main par-dessus la tête. Je reprends face à vous, flexion des genoux, main en arrière, fente avant, ouverture, main sur la cuisse, main par-dessus la tête, fente avant, coude sur le genou et main par-dessus la tête. Allez, vous le faites deux fois encore de chaque côté. Ouverture face à moi. Très bien. Fente avant. Ouverture. Main sur la cuisse. Bras par-dessus la tête. Fente avant. Genou. Sur le cuisse, coude sur le genou. Main par-dessus la tête. Et de nouveau, face à moi, fente avant, ouverture. Allez, à votre rythme. Fente avant, coude sur le genou, main par-dessus la tête. Et dernière série, ouverture face à vous, fente avant, ouverture, bras écartés. Main sur la cuisse, main par-dessus la tête. Fente avant. Coude sur le genou, en avant. Bras par-dessus la tête. Face à moi, main écartée. Genou fléchi. Et dernière fente avant. Ouverture. Bras en avant, coude sur le genou et bras par-dessus la tête. Très bien, vous revenez. Un dos du chat debout. Donc, vous fléchissez les genoux, vous emmenez vos deux mains vers l'avant en allongeant votre dos. Vous tirez sur votre grand dorsal, sur vos épaules. Puis vous vous redressez et vous emmenez vos bras vers l'arrière, ouverture du thorax. De nouveau, flexion. On emmène les deux bras. On allonge les bras. On se redresse. Et vous ramenez vos deux épaules en arrière, vos deux bras vers l'arrière. Allez, encore. À votre rythme. Emmenez d'un côté, emmenez de l'autre. Votre tête est toujours sur le même plan. Elle monte et elle descend. Elle ne va ni en avant, ni en arrière, elle suit le mouvement, mais sur un plan au bas, encore. Allez, bonne ouverture, bonne flexion des genoux. Inspiration, expiration. Encore, toujours flexion des genoux. Emmenez bien vos bras vers l'arrière. Vous devez sentir vos épaules qui commencent à chauffer.
Très bien. Posez, relâchez. Et vous venez vous mettre au sol. Asseyez-vous, fléchissez vos jambes l'une à côté de l'autre dans la ligne des hanches. Et c'est parti, on descend, on redresse. On redresse son dos bien droit. Et vous repartez en arrière. Et c'est parti pour une jambe tendue. Allez, on emmène. Arrondissez. Basculez votre bassin en arrière. Tendez une jambe. Remontez. Redressez votre dos. Gardez vos épaules basses. Omoplates vers le bassin. Et vous alternez. Allez, à vous. Et à chaque fois, vous redressez. Lorsque vous remontez, vous emmenez votre colonne vers le haut et l'avant. Encore. Encore. Maintenez. Allez. Toujours épaule basse. Jambes bien tendues. Et vous passez de l'arrondi au redressement. Imaginez votre corde au sommet du crâne qui tire sur votre colonne vertébrale pour l'emmener vers le ciel. Allez, encore. Posez, inspirez, écartez les deux jambes, légèrement fléchis, redressez-vous. Si c'est difficile d'être dans cette position sans être en bascule arrière, n'hésitez pas à mettre un coussin de façon à être légèrement redressé et vous aurez plus de facilité avoir le dos droit avec plus de facilité à faire les mouvements qui vont suivre. Donc, vous redressez, vous emmenez les deux mains de chaque côté et c'est parti. Vous tournez. Donc vous allez souffler pour partir vers l'extérieur et inspirer en revenant en position neutre. Gardez votre dos droit. Encore, dos droit. Votre dos est emmené vers le ciel. Relâchez. Allongez un peu plus les jambes. Si vous pouvez les poser, vous les posez. Sinon, vous les décollez toujours légèrement fléchis au niveau des genoux. Et vous allez emmener les deux mains et aller chercher un pied avec la main opposée. Revenez, inspirez, position neutre. Soufflez en descendant, main sur pied opposé. Inspirez en remontant, position neutre. Expirez en soufflant vers le pied opposé. Inspirez, soufflez en descendant. Inspirez, soufflez en descendant. Très bien. Vous croisez les deux jambes. Vous mettez vos mains sur le tibia le plus à l'extérieur. Vous venez vous grandir. Vous
Vous emmenez votre colonne vertébrale vers le ciel. Vous descendez vos épaules, vous les emmenez vers l'arrière, vers le bassin avec les omoplates. Vous prenez appui sur vos deux mains. Vous relâchez les deux mains, mais vous gardez votre position haute. Et vous allez venir poser un coude sur le côté pour passer la main par-dessus. Ou alors, poser la main pour venir emmener l'autre main par-dessus la tête. Donc, soit le coude, soit la main, et vous emmenez. Allez, encore. On passe de l'un à l'autre. Même chose, vous allez inspirer pour revenir en position neutre et expirer dans le mouvement. Encore. Très bien. Venez mettre les deux mains derrière vous. Poussez sur votre... Poussez sur les mains pour redresser votre buste. Montez le tronc vers le ciel. Redressez-vous. Et maintenant, tendez une jambe, fléchissez un genou et descendez doucement sur votre genou fléchi. Allongez vos bras. Gardez la position. Redressez. Emmenez un coude sur le genou fléchi. Et laissez votre main glisser vers l'avant. Et ramenez vos orteils vers vous avec la jambe tendue. Allez. Vous devez sentir que vos ischios derrière la jambe tendue sont bien en extension, ils sont bien en train de travailler. Et troisième mouvement, vous allez vers votre jambe tendue et vous emmenez un bras par-dessus la tête. Je vous rappelle que tous nos exercices ne sont pas pour nous faire mal, donc tout exercice qui pourrait être gênant pour vous, qui vous semble inadapté, surtout, vous ne le faites pas. Vous restez sur le précédent ou vous attendez le suivant. Mais vous ne vous faites pas mal lors des exercices. Vous revenez de nouveau. On inverse. Flexion. Genou fléchi et l'autre jambe tendue. Vous allongez vos bras. Inspirez, expirez, gardez la position. Redressez-vous, de nouveau un coude sur le genou fléchi et l'autre main qui va vers l'avant, qui glisse en avant. Et dans le même temps, vous ramenez vos orteils vers vous et vous tendez la jambe au sol. Très bien, vous maintenez. Gardez cette position. Et enfin, troisième mouvement dans le même exercice, vous allez chercher votre jambe, vous emmenez une main par-dessus la tête et vous gardez vos orteils toujours vers vous. Et vous gardez cette position, vous la maintenez. Vous avez un étirement des ischios, vous avez un étirement du flanc, vous avez une flexion, une rotation du tronc. Vous revenez et vous inversez et on redémarre dans l'autre sens. Et cette fois-ci, vous avez un peu plus d'amplitude, vous avez un peu plus de fluidité. Les mouvements ont déjà été acquis par le corps, donc vous pouvez bien descendre sur votre genou, bien allonger vos bras, gagner quelques centimètres. Très bien. Vous redressez, de nouveau, un coude sur le genou fléchi, une main en avant qui glisse.
vous maintenez et vous ramenez vos orteils. Vous n'oubliez pas, pour sentir encore plus la tension des ischio-jambiers, les muscles derrière la cuisse qui sont très puissants. Et dernier mouvement, une main sur la jambe tendue et l'autre main par-dessus la tête. Ouverture du flanc, flexion du dos et étirement des groupes musculaires postérieurs de la cuisse. Et vous gardez votre mouvement, vous gardez votre position. Très bien, vous maintenez. Vous revenez, vous inversez, vous descendez avec les bras, vous sentez que vous arrivez à aller un peu plus loin, que vous gagnez en mouvement et en longueur. Vous revenez, vous posez un coude, vous faites glisser votre main. Vous ramenez vos orteils, vous tendez votre jambe. Vous revenez et vous emmenez une main vers le pied et l'autre main par-dessus la tête. Vous revenez, vous écartez vos deux jambes. Vous pouvez appuyer derrière le dos avec les poings ou les doigts pour pousser sur la colonne. Et de nouveau, vous emmenez une main vers une cheville ou un tibia et vous emmenez votre bras par-dessus la tête. Mais cette fois-ci, les deux jambes écartées, tendues, posées au sol. Gardez votre position. Inspirez, expirez. Maintenez, tenez votre jambe, vous revenez, vous inversez et vous tenez. Encore. Allez, dans l'inspiration, ouvrez bien votre flanc. Vous revenez, vous emmenez vos deux jambes devant vous et vous descendez. Attrapez soit vos tibias, soit si vous pouvez aller plus bas, l'extrémité des jambes vers les chevilles. Ramenez vos orteils vers vous encore pour bien étirer une dernière fois. Maintenez la position. Relâchez. Posez-vous sur le dos, allongez vos jambes, posez les mains de chaque côté des hanches et là, nous allons travailler la sangle abdominale. Donc, vous mettez en position active, c'est-à-dire que vous allez mettre en tension votre périnée et votre transverse. Je vous rappelle, votre périnée est un hamac, il maintient les viscères. Pour le mettre en tension, vous contractez vos sphincters, mise en tension du périnée, on n'a pas besoin de forcer à bloc, juste mise en tension du transverse qui est un corset qui recouvre le ventre, vous allez serrer votre ceinture fictive de deux crans, comme si vous serriez votre ceinture, et vous avez en tension votre périnée, votre transverse. D'accord ? Vous continuez à avoir un creux lombermé. Votre bassin a légèrement basculé vers vos côtes. Vous maintenez la position en tension et vous relâchez. Inspirez, expirez. De nouveau, mise en tension. En ayant les jambes allongées, vous allez sentir vos fessiers qui vont se mettre en tension également. Maintenez la tension, mais continuez à respirer. Très bien. Vous emmenez vos mains par-dessus la tête et vous allez emmener une jambe
vers une main. Et c'est parti pour un mouvement. Jambes, bras opposés, sans les faire reposer au sol. Allez, vous allez travailler votre sangle abdominale, vos obliques, votre psoas, le muscle lié à la hanche et à l'avant de la cuisse. Encore. Allez. Allez, vous emmenez vos bras par-dessus la tête et vous allez travailler la sangle abdominale avec élévation d'une jambe et du bras opposé, travail des obliques, travail de la sangle abdominale, travail du psoas, un muscle qui permet la flexion de hanche. Encore. Allez, toujours. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Soufflez. Inspirez, expirez. Et vous inversez. Allez, une. Encore. Prenez vos marques. Jambes et bras opposés. Très bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Ramenez vos bras. Ramenez vos genoux. Fléchissez vos genoux. Si vous sentez que vos cervicales sont en tension dans cette position, et que vous êtes en hyperlordose cervicale, vous pouvez poser un coussin sous la nuque pour pouvoir être plus à l'aise dans les exercices. Alors, en position, vous allez rentrer votre menton, tirer légèrement, tracter légèrement votre tête, de façon à pouvoir soulever le haut du buste. Emmenez vos mains de chaque côté des genoux et commencez la mise en tension de la sangle abdominale. Inspirez, expirez. Gardez vos épaules basses. Tendez une jambe. Et gardez la position. Tout est fixe. Tout est maintenu. Tout est en tension. Vous n'avez que la respiration qui s'effectue de façon souple et fluide. Posez un pied, levez l'autre jambe. Si vous sentez des douleurs au niveau de la nuque, c'est difficile pour vous de garder la position, n'hésitez pas à mettre une main derrière la nuque. Pour les autres, on continue avec les deux mains, on inverse de nouveau. Posez et inversez encore une fois. Posez le pied, posez la tête. Inspirez, expirez. Emmenez vos deux mains vers le ciel. Décollez vos omoplates comme si vous aviez... Emmenez vos mains comme si vous aviez un ballon dans les mains. Gardez la tête au sol. Et plus vous emmenez les mains vers le haut,
plus vous faites glisser vos omoplates et plus vous mettez en tension votre sangle abdominale. Allez, vous emmenez, vous maintenez, vous devez sentir la tension de votre sangle abdominale. Maintenez toujours, relâchez, posez vos omoplates sur le tapis. Et de nouveau, vous emmenez, vous montez, vous maintenez. Montez les bras, gardez vos épaules basses. C'est-à-dire avec les omoplates qui vont glisser, mais qui vont rester vers le bassin. Relâchez, posez. Inspirez. Alors, vous allez mettre la main droite derrière la nuque, soulevez la tête et vous allez venir pousser avec la main gauche sur le genou droit. Et vous maintenez la pression. Et vous maintenez la pression. Allez, travail abdominal. Vous tenez. Encore, encore. Allez, 10, 9, appuyez bien avec votre bras. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez, posez la tête. Soufflez. Inversez, main gauche au niveau de la nuque, soulevez la tête, décollez votre genou gauche et appuyez votre main droite sur le genou gauche. Allez, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez. Gardez la tête haute avec la main. Allez, maintenez. Encore, allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Posez, soufflez, respirez, posez les mains, soulevez un genou, soulevez l'autre genou. Mise en tension de la sangle abdominale profonde, périnée transverse. Vous êtes en chaise renversée, les jambes à l'horizontale, les cuisses à la verticale, les genoux dans l'alignement des hanches. Et vous allez emmener une jambe vers vous et une jambe vers l'avant. Comme si vous alliez pédaler en maintenant le bassin, en maintenant le tronc, la colonne vertébrale, les omoplates, bien positionnées, bien fixes sur le tapis. Vous n'avez que les deux jambes qui sont en mouvement. Et vous ramenez bien un genou pour chaque mouvement au-delà de la ceinture. Emmenez bien le genou vers le ventre. Allez, encore. Encore. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Posez un pied. Posez l'autre pied. Soufflez. Vous allez lever une jambe et commencer des petits cercles. Lentement, pointez vers le ciel.
Et vous allez expirer en allant vers l'extérieur et inspirer en allant vers l'intérieur. Inspirez vers l'intérieur, expirez vers l'extérieur. Et vous allez lentement pour pouvoir respirer. Sentez la tension de la jambe pointée vers le ciel et tout le reste du corps est immobile. Très bien, posez et inversez. Pointez, c'est parti. Inspirez vers l'intérieur, expirez vers l'extérieur. À votre rythme, lentement. Encore. Sentez votre sangle abdominale qui est totalement impliquée dans le mouvement, qui maintient la jambe redressée. Très bien. Relâchez, posez, soufflez. Alors, de nouveau, vous allez rentrer votre menton. Balle de ping-pong sous le menton, entre le menton et le sternum. Vous ne pouvez pas lâcher votre balle de ping-pong. Vous avez tracté légèrement votre tête. Vous décollez, vous allez chercher vos malléoles de chaque côté du corps. Vous allez travailler vos obliques et votre sangle abdominale. Allez, encore. Maintenez. Si la douleur est trop forte au niveau de la nuque, si vous ne le sentez pas, vous allez emmener doucement, en décollant très légèrement la tête, pour aller chercher les jambes. Et pour les autres, vous emmenez d'un côté, de l'autre, en allant chercher vos malléoles, vos chevilles. Allez, encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, posez, soufflez, ramenez un genou vers vous, l'autre genou, petit mouvement de rotation pour détendre les lombaires, petit arc de cercle au-dessus du ventre avec les deux mains. Écrasez bien vos lombaires sur le tapis. Très bien. Posez. De nouveau, les pieds dans l'alignement des hanches. Et vous allez soulever votre bassin doucement, tranquillement. Montez votre bassin. Maintenez l'ensemble bien rigide. Emmenez vos bras vers le haut et l'arrière. Rapprochez vos pieds, tendez une jambe, maintenez la position. Allez, vous stabilisez, vous maintenez, vous gardez la position. Revenez, posez le pied au sol. Et vous venez tout doucement poser vos vertèbres sur le tapis les unes après les autres. Et vous terminez en engageant votre centre, en contractant, en mise en tension de la sangle abdominale profonde. Vous maintenez, vous pouvez respirer, mais vous restez en tension et vous relâchez. De nouveau, vous soulevez doucement, vous emmenez bien votre bassin, contraction des fessiers, contraction des lombaires, contraction des quadriceps, vous emmenez vos bras vers le haut et l'arrière, et vous emmenez l'autre jambe tendue. Maintenez l'ensemble du corps. Tenez.
Ramenez le pied au sol, ramenez tout doucement les vertèbres les unes après les autres jusqu'au bassin et engagez de nouveau votre centre, centre abdominal profond, mise en tension, maintenez et respirez. Et relâchez. Écartez les deux pieds et emmenez d'un côté de l'autre. Contrôlez la descente des genoux d'un côté et de l'autre, mais libérez votre bassin. Très bien, vous allez allonger les jambes, emmener les bras par-dessus la tête et vous allez inspirer. Main au zénith, main vers le ciel, et soufflez en enroulant la tête, le buste, le tronc, et emmenez les deux mains vers l'avant. Et de nouveau, on descend tout doucement. Vous descendez, vous posez votre dos, vous emmenez vos mains par-dessus la tête, et de nouveau, vous montez à l'inspiration, vous expirez en enroulant d'abord le menton, puis le buste, puis le tronc. Vous ramenez vos bras vers l'avant, vous descendez vos épaules, dos droit, jambes tendues et de nouveau. Pour ceux qui auraient du mal à remonter directement, vous descendez coude au sol et vous remontez bras en avant. D'accord? Coude au sol et vous remontez bras en avant. Pour ceux qui sont capables de descendre jusqu'au sol, inspiration, expiration en remontant. Les bras tendus, vous le faites dans la position, le mouvement global. D'accord? Allez, on descend, on emmène, arrondissez bien, inspirez, expirez, en rotation, montez, bras tendus, épaules basses. Allez, à votre rythme, vous descendez tranquillement et vous remontez. Allez, encore. Encore deux fois. Épaules basses. Très bien. Allez, dernière. Très bien. Respirez. Posez. Mise en position. Quatre pattes. Et vous emmenez un genou sur le côté et qui vient toucher avec les orteils. Et toujours le même, genou sur le côté et vous allez toucher avec les orteils par-dessus l'autre jambe. À vous, allez, en avant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, posez, soufflez, inspirez, expirez, gardez vos mains à l'aplomb des épaules, gardez vos genoux à l'aplomb des hanches et on inverse. Allez, vous venez emmener un genou vers le coude et ensuite venir effleurer le sol avec les orteils. Et c'est parti pour la flexion-extension. Vous allez travailler vos lombaires et votre sangle abdominal. Et 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Posez. Inspirez, expirez. Venez poser les coudes. Et vous allez emmener un genou entre les deux coudes, puis
Emmenez la jambe vers l'arrière et regardez devant vous. Toujours le même. Le genou va entre les deux coudes, puis vous tendez la jambe derrière vous et vous regardez devant vous. Allez, en avant. Même chose que précédemment, vous travaillez votre sangle abdominale et vos lombaires. Et vos fessiers. Et votre fléchisseur de hanche. Allez, encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et posez. Soufflez, partez en arrière, asseyez-vous sur vos talons si vous pouvez, laissez les bras aller bien en avant. Posez la tête. Redressez, dernier exercice de l'autre côté. Un genou entre les coudes et c'est parti. Allez. Flexion, extension. Ramenez bien votre genou entre les coudes. Et emmenez-le bien vers l'arrière. Pointez. Allez, tenez encore. On est bientôt au bout. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et posez. Soufflez. Écartez vos genoux, gardez vos pieds collés l'un à l'autre, partez en arrière pour vous poser entre vos deux genoux, allongez les bras, tirez sur les bras, posez la tête, inspirez, expirez de façon ample et profonde, prenez votre temps, laissez le corps s'assouplir, s'étirer, se détendre. Voilà, vous pouvez revenir, vous asseoir. Merci à vous toutes et tous d'avoir été présents et d'être aussi nombreux à ces séances. À très bientôt, à la semaine prochaine. Et Gérald et Alexis se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne semaine. Je vous rappelle que tous les dons qui peuvent être faits pour ces séances sont pour l'association Magdala, qui offre pour les plus démunis dans la métropole lilloise. À très bientôt, à la semaine prochaine, à mercredi. Au revoir.